Salut à tous, enfin re plutôt à tout le monde. On se retrouve genre pour tout de suite encore pour le 8e match de la NDX, le tournoi de la NDX. Et avec moi j'ai Abou78. Comment ça va Abou? Salut à toutes et à tous, et oui, c'est Abou78, et aujourd'hui, je suis prêt à commenter ce match avec toi, Mouti. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je te retrouve finalement sur ce à commenter avec toi. Alors que d'habitude c'est Zit, mais pour aujourd'hui finalement c'est Zit qui va se battre contre Antokiller sur la carte Ardath en mêlée générale. Et c'est ça qui pourrait être sympa parce que c'est deux Anthony, donc Ouais. je pense que ça va faire un bon petit match. Je pense que on va pouvoir envoyer finalement ce match avec une grande impatience Ok. de voir ce petit match. Donc Allez, c'est parti. c'est parti. Alors, c'est la première fois qu'on a Ardath dans le tournoi. Et j'ai envie de dire que ça pourrait être assez sympa parce que c'est une bonne petite carte. J'aime bien, moi, j'aime bien cette carte, je sais pas toi, mais franchement, Moi, je l'adore. ça reste assez sympa. Allez, je me mets en spectateur. Et je suis donc Antokiller. C'est parti. Alors pour toi, tes pronostics, qui va gagner à ton avis ce petit match? Bah, enfin, moi, je sais que Xit aime déjà la PP. Ouais. Donc, enfin, après, au corps à corps, Xit est meilleur. Mais de loin, je sais pas trop. Et comme Ardath est une map qui se joue de près comme de loin, après il peut être avantagé de près comme Ouais. désavantagé de loin. C'est vrai. Donc moi je dis au corps à corps que Xit a toutes ses chances. Ouais. Exactement. Bon. Oh, oui, exactement, c'est bien ce que tu disais, hein, finalement. Bon, en même temps, là, Antokiller l'avait pas forcément vu, donc ça fait un partout, on va dire, entre guillemets. Alors, Antokiller joue avec son ACR chargeur grande capacité, et je crois qu'il joue avec... je ne sais pas, en grenade, je crois que c'est des bêtises, mais je suis pas sûr à 100%. Non, c'est des grenades, c'est des Syntex, je veux dire, des Syntex. Autant pour moi. Alors Zit là il est au Zakimo et là. Oh. Et là et comme je le dis, oh le très joli headshot avec ses Akimbo. Et je viens de voir Zilit sauter quand Le joueur. il a eu Antokiller. Alors, en sachant que c'est toujours pareil, Antokiller est quelqu'un qui n'aime pas du tout MW3, mais qui a bien voulu participer quand même à ce tournoi, que je remercie quand même. Et Zit, lui, c'est le commentateur qui participe toujours avec moi, forcément. Et il joue de temps en temps quand même à MW3, donc ça devrait le faire pour lui, je pense, hein. Je pense qu'il devrait pas avoir trop de mal, mais bon, ça pourrait être un match assez sympa. Et j'avais oublié de dire les classes de Zit. Alors Zit, il joue en tour de passe-passe, détermination pro et visée solide. Et comme accessoire, il a l'atout de Zin. Donc il a une PP 90 personnalisée. Alors D'accord. moi, j'aurais dit du tir rapide plus un chargeur de grande cape. D'accord. Et en secondaire, il a les deux clones Takindo. D'accord. Bon. Oh. Il est un spécialiste aussi. D'accord, alors Antokiller vient de reprendre une PP 90 Celle du tour. tour de passe-passe, bonne gâchette, visée pro, stabilité en accessoire. Alors, je ne sais pas, il a dû la récupérer sur un cadavre mort de Zit. Alors, Zit, il fait un petit peu le tour de la map là, sans le trouver. Alors, il se dirige un petit peu vers le spawn. Alors Anto de sens il est en plein milieu, enfin il arrive sur les côtés de la map lorsqu'il y a. Enfin là maintenant. Il va assez vite avec la PP 90 donc Là, il est dans la grande allée des visites, là. Oh, ils vont se rencontrer alors. Ils vont... Ouais. Au spawn aussi, là. Ils sont au Ah spawn. ouais.
Anto, ça tire. Ah, ouais. Mais Anto, lui, était à l'autre spawn. Mais là, il est en plein milieu. Il est revenu en plein milieu de la carte. Ah, ça y est, ça y est. Ils se sont trouvés. Et voilà, voilà. Je vois qu'il a... Il a de la morphine en Anto Killer. Et ça y est. Et ça fait du 4-2 pour Zit qui est toujours et qui est en tête. 4-2, exactement. Zit est en tête pour l'instant. Ah, tout est rattrapable. Hein. On a fait un petit match Zico Killer contre Tueur Rip. Et c'est Tueur Rip avec la plus grande. Mon plus grand étonnement parce que finalement. Je pensais que ça allait être Zico qui allait gagner, et bien non, et bien non. Ça a été qui a gagné le match. Et je les remercie pour ce match quand même, au passage. Allez, Anto Killer qui vient de remarquer un point. 5-3. 5-3, toujours 2 de différence. C'est assez serré. C'est assez serré, comme on peut voir. C'est que le début. Exactement, c'est que le début, tout peut changer. Et comme vous avez pu le voir, là, Exit, lui, il ne tire avec la PP, ne vise jamais. Oui. Il tire toujours au jugé. Ah, c'est vrai que Exit, c'est ce qu'il me dit à chaque fois. Franchement, lui, ne vise jamais. Ne vise jamais. Ah. Ouf, joli. Oui, j'ai entendu juste une dernière balle retentir et boum. Et 44 Magnum en pleine tête qui vient de l'achever. Et sous le tunnel, là, il passe. Ah, ah, ils vont peut-être... Minute. Ah, non. Dans l'autre sens, alors. Il vient vers B, il descend, là, il vers le spawn. Il jette un petit coup à droite, il saute. Anto Killer vient de se flasher tout seul. Là, il va en A. Il jette une grenade dans le tunnel, là. Il regarde à droite. S'il est... Non, il n'y est pas. Il regarde sous le tunnel encore, il n'y est pas du tout. Il accélère. Eh, non, pourtant, il devrait pas, parce que... Il arrive, Anto, et il le voit plus, il le voit pas. C'est que Zit a dû déjà partir. Ah. Il y a un petit cache-cache qui se fait entre eux, j'ai l'impression. Ouais, il n'arrive pas à se trouver là. Ah si. Ah, ça y est. Ça fait du 7-4 pour Anto. Ouais. Bon, Zit plutôt. Ouais, Zit. Alors ce qui est marrant c'est parce qu'on dit Anto mais les deux s'appellent Anthony donc forcément surtout que Anto Killer s'appelle Anto, on l'appelle souvent Anto et Zit c'est pareil. Moi j'ai l'habitude de l'appeler Anto. Ouais, forcément ouais. Elle a ramassé le modèle là. Oh, il recharge. Eh oui. Ah, ce qu'il a monté en fait, ce qui l'a fait perdre sur ce défi là. C'est tout simplement qu'il a rechargé sa PP90 et Zit en a profité et il a gagné. Et... Oh mais là, c'est... Il l'a arrosé. Il l'a arrosé, oui, exactement, mais bon, ça a quand même bien marché là et là. Oh là là. Oh, ça, c'est... Oh. En tout, dommage. Dommage, mais ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être... Et un peu... vas-y, t'as bien joué à toi. Elle l'a géré. Ouais. Mais avec la nouvelle mise à jour, maintenant le modèle est devenu moins puissant. Maintenant, on met plus de hitmarker avec le modèle, et ça... Ouais. Ça, j'apprécie pas ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, t'as fait quoi de perdre ton match, un bout? Je sais que la dernière fois, je croyais en toi, quoi. Je croyais. Ah, j'étais fatigué, je revenais tout. Ouais. Enfin, j'ai joué, j'avais perdu la main. Je l'avais prévenu justement sur la vidéo. J'avais dit à bout est fatigué. Et ouais. J'aurais pu faire mieux, mais il a très bien joué. Il a géré son match. Ouais, Steam a très bien joué, surtout que. Steam a déjà essayé de commencer à jouer contre son prochain match justement qui est l'italien du 6000 et apparemment il y aurait déjà un petit score qui se ferait par rapport à Steam qui aurait gagné son match apparemment mais
Pour l'instant, ça n'a pas été filmé, il n'y a rien qui a été filmé, et on refera ça, donc rien n'est joué, et encore, bon, tout peut changer. Donc voilà. Et moi, ouais, je pense qu'il va y avoir une rencontre. Non, même pas. Alors, là, il a pris la CR 6.8 tantôt, là, couleur hiver. Antokiller, il ne sait pas trop quoi faire, j'ai l'impression, il regarde un peu dans tous les endroits au niveau du tunnel là. Je vais regarder. Ouais, bah ils vont se rejoindre là. Ah oui, ah oui, oui. Allez. Il a l'habitude de jouer à CS en tout. Hein. Le voir tirer au jugé, il a l'habitude de jouer à CS. Ouais. Oh, ça y est. Antokiller remonte. Enfin, ils ont toujours deux de différence quoi. Mais le problème c'est que Zid peut l'avoir, mais il ne vise pas. S'il avait une révisée, bah, ouais. Je pense que le score était différent. Je pense aussi, ouais. Je pense. Wow. Ouais. Faut qu'il fasse attention, Anto. Ah, bien joué. Bien joué. Alors. Anto reste un petit peu dans le même endroit, il sait pas, mais il a vu la grenade, donc forcément. Ah, ça y est. Je crois qu'il n'y a plus qu'un point d'écart. Oui, 13-12. Oh, attention. Anto qui le revient à la charge. Ah, ouais. Alors, allez, accélère un petit peu. Enfin, moi je trouve que les meilleurs joueurs de Melee Général sont ceux qui connaissent la map et les spawns surtout. Ouais, si ouais. Tu connais les spawns, enfin, même si t'es nul, tu connais où vont apparaître les gars, bah, rien que pour ça tu deviens très très fort. Ouais, exactement, c'est vrai que dès que tu connais les spawns, c'est... Et moi je t'avoue, je me fais encore avoir par rapport aux spawns. Hein. Savoir qu'il y a certains endroits de spawn qui me laissent perplexe à chaque fois et que je me fais avoir. C'est très calculé en fait. Hein. Si ouais. Tu te mets au milieu de la map et si tu sais que le spawn sera là, bah, tu viendras bloquer avec un viseur fixe et tu le tues le gars. Ouais. Alors. Alors, Zit 14. Antokiller 13. Allez. Alors, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a Psycho Killer comme je vous ai, que vous pouvez apercevoir en spectateur tout comme nous. Mais il ne participe pas, il voulait juste regarder le match. Donc et on a dit bah pourquoi pas. Ouais, il regarde, il n'y a pas de soucis. Waouh, Antokiller ne l'a pas vu. Enfin, il l'a vu, mais trop tard. Trop tard. Il peut se rattraper. Je sais pas si c'est la bonne idée. Surtout que Syntex ne va pas assez loin. Surtout dans un truc étroit. Oh, bien joué. Oh, c'était sévère. Hein. Et à noter aussi les commandos de Modern Warfare. Voilà. Tout à l'heure, je me suis pris un là. Ils sont vraiment foireux les coups de couteau. Là. Faudrait... Ouais, c'est vrai ça. Ouais, ils sont vraiment foireux. Ouais. Oh, bien joué, Anto. J'ai vu qu'il a pris. Tour de passe-passe pour recharger plus vite. C'est pas mal. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que finalement. Chaque fois il se faisait avoir avec son rechargement et là, du coup. Oh ouais, il vient de se faire flasher, peut-être va-t-il le tuer. Je t'avoue ouais. Sur mon écran, je ne l'avais même pas vu. Pourtant je suis en première personne tout comme lui. Franchement je me serais fait avoir ce qu'il. Oh, bien joué. Oh il a pris sa vengeance. Ouais. Exactement. Et oh là. Oh bien joué Antoki. Belle tête d'Antoki. Ouais. Là on est à 18. Ah pour Antokiller quand même il a remonté quand même 18-17 mais ça reste quand même très sérieux. Ouais.
savait qu'il allait arriver. Il savait. Un petit peu poté. Ouais. Allez. 17, c'est encore faisable. Oh oh oh. Il lui a collé dessus. Ah mais je n'ai pas vu du tout. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Même moi à la place de Nanto, j'aurais pas compris ce qui se serait passé. Qu'est-ce qu'il a fait, Zit, en fait? Il a balancé sa grenade, en fait. Ah oui, oh bah joli, hein. Bah c'est, ça devait être vraiment en plein dessus, parce que là, franchement, j'ai même pas vu de rebond ou quoi que ce soit. Pile poil. Ah, vraiment bien joué, hein, de la part de Zit, en tout cas. Parce que là... Par ça, c'est costaud. Ouais. Oh, 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 une rencontre sévère dans le tunnel. Zit le remporte, ce duel. 21-19. 20. Mais c'est dommage 20. que Xit ne vise pas, hein, parce que là il aurait pris l'avantage, hein, s'il avait visé. Ouais, c'est dommage. C'est sûr, c'est sûr. Bah après, peut-être que ça permet pas avec le viseur de la PP qui est vraiment dégueulasse et vraiment à chier le viseur de la PP. Entre guillemets. C'est vrai que. Mais il aurait pu peut-être mettre un autre viseur dessus, adapter un autre viseur. Je sais qu'il utilise, je crois, les deux accessoires dessus. Peut-être qu'il aurait pu tout simplement ajouter un autre accessoire, genre comme un... Un petit viseur laser. Mais le problème, c'est qu'il joue toujours en tir rapide. Et pour le tir rapide, on, avec la PP, les balles partent très vite. Alors, il l'associe toujours à chaque fois avec le chargeur de grande capacité. Et là, Zit remonte, il est à 23, 24. Ah oui. À deux points de l'égalisation, là. Alors, c'est très serré. C'est très serré, ils se dépassent mutuellement. Allez, 3. Allez. Et petite remontée, une bonne remontée, en tout cas, pour Zit, qui a bien dépassé, même, en ce qu'il dort. Oh, oh, c'est... Pff, allez. Il va se faire rattraper. Encore de deux points, là, de l'égalisation. Deux points, ouais. Deux points de... Il balance toujours du même endroit. Va-t-il le tuer? Oh, oh. C'est un bon spot pour lancer sa grenade ici. Oh, joli. Joli, joli. Mais je sais pas d'où ce qui allait arriver. Franchement, moi aussi, je me serais laissé avoir. Allez, 26-24. Allez. Alors, je vois que Zit... C'est les endroits où il faut balancer les grenades que Hunter Killer ne sait pas finalement trop où balancer ses grenades. C'est du manque de temps de jeu, ça. S'il avait plus de temps de jeu, il y aurait largement égalité. Oula. Ah, il l'attendait, mais c'était bien joué de sa part. Ouais. Il a déstabilisé. Alors, où est-ce qui va arriver? Là, il est dans la grande allée de A. Ah oui. Une balle en pleine tête. Antikiller a tiré, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à un petit stress. Ouh! Allez, à 2 kills de la fin. À 2 kills de la fin, oui. Allez, 5 kills pour Anto. Faut qu'il revienne au score. Il peut y arriver, hein. Il peut y arriver, c'est très serré, hein. Oh, bien joué, Antikiller. Allez. Ouais, encore 4 il est quand kills. Même désavantagé au corps à corps en tout killer face à la PP de tir à pied, il est très très désavantagé. Alors à sa place, moi j'aurais joué tactique, alors il jouait de loin. Bon, je sais pas, en tout killer, je sais pas ce qu'il faisait, mais il devait être sur quelque chose d'autre parce que... Oh, allez, combat. Oui, c'est bon. Antikiller l'emporte, à 3 kills de la fin. Ouais, 3 kills de la fin, 1. On rappelle plus qu'un kill pour Zit. C'est très chaud. Antikiller, ne reste pas figé, tu risques de te faire avoir. Oh, bien joué. On n'aurait pas dû sortir sa MK14. Hein. Il était très bien à la PP90. Là, il se fait rattraper sévèrement. À 2 kills de la fin, c'est vrai que perdre à 1 kill de la fin, c'est vraiment... Ah, ça serait dommage, ça serait vraiment dommage. Voilà. Là. Les 44 magasins. Prolonge, va-t-il le tuer, là? Ah, bien joué, plus qu'un kill partout. L'égalité parfaite, là. C'est très très joli, c'est un beau match, là, comme on peut les voir.
Alors comme je disais tout à l'heure, on avait un beau match, mais alors là, c'est pareil. Dernier point pour chacun. Celui qui tue l'autre, le gagne. Gagne le match. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Je pense que tous les deux sont stressés. Et c'est Anthony qui oh là là, le l'emporte. Ah oui. 30 à 29. Avec ce magnifique cam, noscope, PP90M. Qui vient clouer l'adversaire. C'était, j'ai juste envie de dire, c'était vraiment un très beau match. Ouais. Vraiment avec un suspense du début jusqu'à la fin. Ouais. Je dirais même vraiment pour la fin, un gros suspense. Et là, franchement, c'est un match comme je les aime, avec du suspense du début jusqu'à. Un match très corsé, surtout. Ah, ouais. Franchement, j'aurais pas aimé être à leur place, à avoir un stress comme ça. Ah mon dieu, je. Non mais franchement bien joué à eux, je les remercie encore une fois de plus. Hein. Et j'ai envie de dire, bah voilà, hein, ça s'arrête aujourd'hui pour ce match-là, et on reprendra pour la prochaine fois avec Zik sûrement, et j'espère que tu pourras commenter encore avec nous peut-être un ou deux matchs. Il n'y a pas de problème. On reverra ça, t'inquiète pas. De toute façon, c'est loin d'être fini, et... Justement, il y a encore mois à passer, vu que j'ai gagné aussi mon match. Zit, forcément, qui vient de gagner. Bien joué à lui. Donc, forcément, il continuera à jouer, forcément, pour le prochain match. Bah, désolé pour Anto, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucelle, comme je dirais. Il a très très bien joué, Anto. Ah, moi, je peux le féliciter pour ça, pour sa belle remontée à la fin. Non, franchement, il a super bien joué, surtout face à une PP90. Franchement, franchement... J'ai envie de dire bravo, bravo, bravo. Oui, bravo. Bon voilà, bah en tout cas moi je... Quelque chose à rajouter à bout ? Non, à part ce très bon match, j'ai passé un bon moment avec toi là, on a bien commenté. Ouais, exactement, franchement ça m'a fait plaisir aussi. Hein. Puis... Un match très corsé et intensif, hein. Enfin, des matchs comme ça, enfin, j'aime voir que ça. Enfin, ouais. À part ça... Moi donc... c'est pareil. Bon bah c'est sur cette phrase qu'on va se quitter, moi je vous dis à très bientôt sur notre vidéo pour le tournoi et peut-être autre vidéo avant. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye. Allez, ciao, bye.